Vous êtes sur libreopinionguinée.com. Nous sommes avec Adiatou Ginkan Diallo, secrétaire fédéral de l'IFDG France. Quelles sont vos impressions par rapport au vote qui se déroule aujourd'hui ici à Paris? Ah, le vote de ce jour se passe dans le désordre absolu, si ce n'est extrême, parce qu'on est en train de voter dans tous les sens. Il n'y a pas de cahier d'émargement, on ne sait pas il y a combien de votants. Tout ce qu'il y a, c'est que les urnes se remplissent au fur et à mesure que le temps passe. Il y a de plus en plus d'électeurs. Il y a des personnes qui reviennent une à deux fois. On peine à les remettre dans l'ordre. Et je dirais presque, on suit ça avec désolation. Bon, vous pensez que les choses ne se passent pas comme prévu? Rien ne se passe comme c'était prévu. Et rien, je pense, n'a été prévu de correct. Parce qu'un processus de vote ne se passe pas comme ça. Le matériel a tardé à arriver. Ensuite, il n'est pas conforme à la réalité. Et maintenant, le vote se déroule sur une décision, comme dit, politique, en présence de l'ambassadeur et de monsieur le superviseur, monsieur Kaba, qui a été affrété de Conakry pour superviser et qui peine à lire le code électoral. Donc, on est dans une situation où on suit les choses et puis, voilà, à la clôture des urnes, on verra ce qui adviendra de la journée. Voilà. Merci beaucoup, Adiatou. À très bientôt. Merci.